Chapitre 30, assaut. N'aie pas peur de mourir. On va prendre le masque de pété. Ah oui, d'accord. On rentre dans le comico comme ça. J'en ai rien à foutre et je dégomme tout le monde. Allez, bam. Y'a quoi? Y'a quoi? Ah, bien. Une arme. C'est parti pour le carnage. C'est passé là. Ah, je me suis fait tuer par la fenêtre, j'avais pas vu. Ok, j'accepte mon sort. Oui, un mec avec un fusil là. Je crois que je t'avais pas vu. Vous avez pas entendu un bruit? C'est ta mort. La mort qui vient te chercher, mon gars. Mais de où? Ah, pourquoi la porte elle était ouverte ici? J'ai pas bien compris. Bon, c'est pas grave, après grosse éclate quoi. On s'amuse. Wesh les poulets. Et les poulets. Poulet. Ouais, j'ai pas peur de personne. En Harley Davidson. Oula, il y avait une arme, hein, je l'ai vu. Lui aussi. Non, pas toi, toi, voilà. Toi, mon tout, mon roi. Étape terminée. C'est par où? Ça doit être par là, hein, à mon avis. Non? Non. Peut-être par là. Je sais bien que je dois aller là, mais... Ah oui, je passe par le portique, d'accord. Est-ce qu'on voudrait pas avoir plus de balles? Ouais, quand même, ce serait mieux. Hein. On va prendre une mitraillette. Hop. Et on y va. On y va, on va dégommer du poulet, poulet frit, poulet KFC, oui tout à fait, le poulet I'm loving, le poulet KFC. J'avais plus de munitions. Ah, quand même, c'est le commissariat le mieux gardé de France, hein, je pense. De France et de Navarre. Changement d'arme, changement de strat.
pense qu'on a la bonne strat là pour l'instant, oui. Font à 3 là-bas. On va faire le tour par de l'autre côté pour essayer de tenter de les surprendre, même si bon. Je sais pas. On va voir, on va voir. Oh, je l'avais pas vu lui. Ah, ça va, on a de la chance. Non plus, je l'avais pas vu. On va prendre la mitraillette. Beaucoup plus efficace. Non, on va prendre lui en premier. Lui. Voilà, étape terminée. Est-ce qu'on a quelque chose à récupérer? Je ne crois pas. On peut se casser. Oui, je sais, j'ai pas le droit de passer le portique avec une arme. On le sait tous. On prend une petite mitraillette. Puis on se casse. Ok, je dois aller où? Ici. Ça marche. Les gars, ok les gars, ce chien va arriver d'un instant à l'autre. C'est le moment de lui montrer de quoi nous sommes capables. Rappelez-vous que ce que vous avez appris, bonne chance. Suivez les instructions et on s'en sortira tous. Ça m'étonnerait. J'espère que t'as bien suivi les instructions, parce que là, je sais pas si tout le monde va s'en sortir, mais là, écoute mon coco. Collègues, ils sont en train de prendre cher. Ok. Faire le tour hein. Ah oui d'accord, je l'avais pas vu, excuse-moi hein, je l'avais pas vu toi non plus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Un mec tout seul là, je demande ce qu'il veut. Y'a plus personne, ok. On va reprendre une arme quand même. Ce serait con de partir à vide. Mais quoi? Mais je l'avais pas vu lui. Mais qu'est-ce qu'il fout? Ouais, ça, ça on a vu. Ok, on y retourne hein. On y va en mode bourrin. El Bourrinos. El Burritos. Ouais bah oui, j'ai plus de munitions. J'essaye de faire des coups de couteau à la... Comment s'appelle ce jeu déjà? Call of Duty. Forcément ça marche pas. Changement d'arme. On y va. Ouais, la matraque, c'est peut-être pas ce qu'il me faut. Je suis sûr qu'il en reste un quelque part. Je vais encore me faire avoir. Non, ce coup-ci, je me ferai pas avoir. Ah, y'a plus personne là. On va prendre pour un con lui. Ok.
va récupérer l'arme là-bas. Y'a pas moyen de rentrer dans le bureau. N'inquiétez pas, tout va bien se passer. Est-ce qu'il faut le buter lui? Dis-moi pas que c'est pas vrai! Et pourquoi tu... Écoute mec, je suis désolé pour ta copine, ne le prends pas personnellement. Je sais que tu as fait un long chemin pour venir jusqu'ici, mais tu risques d'être déçu. Je n'ai pas vraiment de réponse à te donner. Je fais quoi, je le bute? Ouais, je le bute. J'en ai rien à foutre. Aïe, ça pique. Tu sais, on est peut-être pas si différents que ça, toi et moi. Toi aussi, tu as reçu des drôles d'appels téléphoniques. J'aurais voulu avoir quelque chose à te dire, mais ce n'est pas le cas. La police en sait peut-être plus que moi à ce sujet. Ils doivent avoir un dossier sur cette affaire quelque part ici. Je t'aurais bien demandé de m'épargner, mais on dirait que tu as déjà pris ta décision. On le finit ou pas? Ok. Je crois que la question elle est vite répondue. Bon, il meurt ou... Il est un peu rouge. Allez, ciao. Bon, il y a un truc à récupérer, normalement un dossier ou quelque chose du genre. A voir. Je pense que ça doit être dans le bureau. Ah oui, non, ils ont barricadé ici. Donc c'est peut-être pas là. Parce que... Ah, ici. Chapitre terminé. Va vers la voiture. Ça marche. Et je me casse. Ouvrez-moi la porte. Par là. Ciao les nazes. Putain, j'ai buté tout le commissariat quoi. Allez, ciao. On a tué. Pour 10 000 points et 840, on a eu de l'audace pour 9 990. On a fait des combos pour 26 000. Un bonus de temps, par contre, on n'en a pas du tout. Par contre, on a bien flexé. Yeah! On a été mobile. Ouais, pas mal, ouais. 20 000 points. On est toujours au-dessus du score. On a débloqué une nouvelle arme, apparemment. Du coup, on a pas mal de combos. On a été classé B. Oh, ça va, c'est correct encore. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la prochaine pour la suite de Hotline Miami.